Bon, maintenant pour les petits détails dans le mode standard. Une des premiers petits détails que je voudrais vous expliquer là, c'est si vous montrez là sur ton sur le tableau de bord, c'est tantôt on l'avait vu vite vite là, c'est la case ici, le throttle avec le D là, avec le résultat de 1 là. Fait que je vais prendre un raisin. Prendre un exemple, ok. Là, c'est ton tour de mouvement, ok. Tu brasses tes 3D, comme j'ai dit, tout le monde brasse 3D. Là, tu brasses 3D. Là, justement, gars, j'ai eu 2, 4 puis un 1, ok. Là, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux assigner le 1 dans le throttle ici, ok. Parce que c'est seulement des 1. Vous voyez, là, c'est une image de c'est le résultat 1 ici, fait que c'est rien que des 1 que tu peux assigner là. Tu assignes un 1 là. Tu prends le quatrième D, ok, qui est disponible. Tu le brasses, lui. Là, j'ai eu un 1 encore, ok? Ça n'a pas été. Mais j'ai gagné un point de vitesse, ok? Fait que c'est à ça que ça sert. Là, maintenant, si on prend là, une carte de pilote, là, bien, sur la carte de pilote, là, le level du pilote va te dire combien de dés que tu peux assigner sur ton tableau de bord. Parce que maximum, combien de dés que tu peux assigner, là, de place où tu peux assigner des dés, là, tu peux en assigner un là. Ça, c'est ta boîte de navigation, tu peux en assigner un là. Tu peux en assigner un autre là. Tu peux en assigner un là, là, puis là. Fait que maximum, là, tu peux en assigner 5. Il y a 5 places où tu peux assigner des dés. Okay? Mais tu peux pas assigner toutes tes dés, là. Tu peux, là, mais ça dépend du level de ton pilote. Fait que là, je vais vous montrer ça tout de suite, là. Si on reprend les cartes de pilote, là. Je vais vous en rappeler, là, il y a 3 levels. Fait que le level 1, tu peux seulement assigner qu'un dé sur ton tableau de bord. Quand tu vas le monter au level 2, mais vu qu'il est au level 2, tu peux assigner jusqu'à un maximum de 2 dés dans le même tour sur ton tableau de bord. Puis si ton pilote est rendu au level 3, tu vas pouvoir assigner 3 dés dans ton même tour sur ton tableau de bord. Fait que si on prend l'exemple, là, moi je suis au level 3 avec mon pilote, ok? Là justement, je roule 3 dés. Là, mettons, là, comme là, je n'ai pas de 1, là. Donc là, je pourrais en assigner un dans ma boîte de navigation. Puis si j'aurais des améliorations de vaisseau ici, là, j'en aurais 2, là. Mais je pourrais en assigner un à chaque de mes améliorations de vaisseau. OK? Mais là, vu que mon level de pilote est 3, bien, je peux en assigner un maximum de 3D sur mon tableau de bord dans le même tour. Fait que ça, c'était un des détails que je voulais parler avec vous. Ça a changé du classique là, beaucoup. Hein. Après ça, bien sûr, là, ça a rapport à l'autre détail, ça a rapport avec le dé violet. Là. Je n'avais parlé comme règle maison dans le mode classique, là, mais dans le standard, ça c'est une règle, ok? C'est que on va retourner là-dessus. Là, je sais pas si on va en voir un comme il faut. Ouais. Fait que là, mettons là, je pars ici, là. Puis je m'en vais là, ok? Je vais reprendre là. On va dire que le. On va dire que le tableau de bord, là, il est de la couleur du blanc. Là. Peu importe. Donc là, moi j'ai commencé à la base, là, je m'en vais dans le premier point de. Dans le premier point de. Voyons, point de navigation ici, ok? Là, les règles me disent que je suis obligé d'assigner un de mes dés de résultats même dans la boîte de navigation pour savoir par où que je m'en vais. Okay? Ben, admettons dans mes résultats ici, là, j'ai pas le bon résultat parce que moi je veux sortir par là, admettons. Okay? Fait que là, qu'est-ce que je pourrais dire là, en rentrant ici? Je pourrais dire, bon ben je veux pas de assigner dans ma boîte de navigation. Je veux rouler le dé violet. Okay? Fait que là, tu vas prendre le dé violet, vous allez le brasser. Puis là, tu es obligé de sortir par où ce que le dé violet pointe. Okay? Fait que là, maintenant, c'est un 3. Fait que là, c'est pas dans la bonne direction. La direction, le 3, c'est par là-bas. Fait que là, je serais obligé d'y aller par là. Okay? Puis, aussi, tu vas être obligé de brasser le dé violet si tu n'es pas capable d'assigner de dé dans la boîte de navigation. Pourquoi? Parce que, admettons, là, mon pilote est au level 1. Okay? Fait que je peux juste assigner un dé dans mon tableau de bord. Fait que là, pareil. Comme exemple, là, ok,
je brasserai mes 3D. Je brasserai mes 3D. OK. Là, après ça, là, je vais, juste pour l'exemple, je vais en mettre un à un. OK. Fait que là, je dis, ah, tiens, j'ai un 1. Fait que je mets mon 1 dans le trottel ici pour pouvoir brasser le 4e D. Je brasse la 4e D. OK, ça me donne un 1. Fait que là, là puisque mon pilote au level 1, j'ai déjà assigné le maximum dans mon tableau de bord qui est mon D ici de trottel. Fait que là, j'arriverai ici, là, j'arriverai, mettons, là, par ici. Là, je tournerai là. Puis là, je me dirais. Puis là, comme dans les règles, là, je suis obligé d'assigner un dé ici là, dans mon pour savoir par où que je sors. Mais là, vu que j'ai déjà assigné un dé dans une autre place, mais là, je peux pas en assigner un. Mon pilote est juste au level 1. Fait que dans ces cas-là, je vais être obligé de brasser le dé violet pour savoir par où je vais sortir. Fait que là, par 5, c'est par là-bas. Fait que là, je continuerai mon trajet dans le sens que le dé violet me l'a dit. Fait que ça, c'est un détail. Un autre détail du mouvement que je voulais vous dire, vous expliquer. Maintenant pour les télégates, on va se tasser un peu. Je vais, tiens, comme ça, ici. C'est parfait comme ça. Maintenant pour les télégates, ok, ça marche pareil comme les points de navigation, c'est que quand tu rentres dans un télégate, tu es obligé d'assigner un dé à ta boîte de navigation pour savoir si tu te téléportes à un autre télégate ou pas. Okay? Puis c'est la même chose, si tu veux pas, tu peux brasser un dé, le dé violet, pour voir si tu te téléportes ou pas. Ou justement, à cause que tu peux pas assigner de dé dans ta boîte de navigation, fait que tu vas être obligé de brasser le dé violet. OK? Un autre petit détail qui a changé par rapport au classique, c'est que dans le classique, quand tu bougeais, quand tu te téléportais d'un télégate à l'autre, ça te coûtait un point de mouvement. Là maintenant, dans le mode standard, c'est zéro point de mouvement entre deux télégates. Okay? Par exemple, ici, là, mettons que je commencerai là, dans le port spatial ici. Là, puis je prendrais ce télégate-là, qui est le numéro 2, puis que je m'en irais à lui ici, là, le télégate numéro 5. Okay? Fait que là. Puis j'aurais, mettons, 5 de mouvement. Ou non, mettons, là, 10 de mouvement. Puis dans un de mes résultats, là, j'ai le chiffre 5, OK? Fait que j'assignerais le chiffre 5 dans ma boîte de navigation. Parce que je veux me téléporter au télégate qui est là, qui est le numéro 5. Puis j'ai 10 de mouvement, OK? Fait que là, comment ça marcherait, là? C'est que dans le mode classique, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. OK? Mais là, avec le mode standard, c'est 0 entre les portes. Fait que ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, etc. Fait que t'as un autre petit point qui a changé là dans le mode standard. Fait que maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce qui a changé. Maintenant on n'appelle plus ça des dangers là. Maintenant on appelle ça des tests. Je vais vous expliquer les tests que je vous ai montrés au début de la vidéo. Comme j'ai dit ici, c'est le test du pilote, test du laser, test du bouclier. Okay? Comment que ça marche ça, c'est qu'on va prendre. Je vais prendre un exemple ici là. Je ne sais pas si on le voit bien. On va essayer de dézoomer un peu. Tiens. Comme ça. Pas de l'allure ça. Parce qu'il faut voir les. Ça va marcher avec les émetteurs ici. Là. Puis je vais prendre un pilote. On va mettre le pilote au level 2. Hein. Fait que, mettons, c'est comme ça, là. Mon pilote, c'est un Kossuth. Il est au level 2. OK? Fait qu'il y a, il y a 5 de dextérité de pilotage. Comme vous pouvez voir, là. Je sais pas si vous l'avez bien vu. OK? Mon Kossuth est au level 2. Puis, il y a 5 de dextérité de pilotage. Puis, là, présentement, dans ses cadrans, du côté du laser, il est rendu à 2. Côté bouclier, il est à 1. Okay? Fait que là, si je prends là, on va prendre la bonne couleur de vaisseau cette fois-ci. OK. Fait que là, moi je m'en viens par ici, là. Puis je rentre dans l'anomalie, le Super Giant. Fait que là, le premier dans le quoi que je rentre, là, c'est un test de pilotage ici. Fait que ce que je fais, c'est que je regarde mon pilote, là, je check sa dextérité. C'est numéro 5. OK? Fait que je vais prendre le dé violet. Puis je vais brasser. Le dé.
OK? Puis là, je suis pas chanceux, là. Mais si mon résultat, là, il est égal au plus haut qu'au chiffre cible, que présentant, moi, mon chiffre cible, c'est mon pilotage, là. Ma dextérité, c'est 5. Si c'est égal à ce chiffre-là au plus haut, j'échoue mon test. Fait que là, présentement, regarde, j'ai brassé un 6, là, j'aurais échoué. OK? Puis qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? C'est que mon tour se finit direct là. OK? Mais si, admettons, j'aurais eu un 2, j'aurais passé. 2, c'est moins haut que 5. Hein? Fait que j'aurais passé le test de pilotage. Là, je continuerais mon tour, mon mouvement. Fait que là, mon prochain mouvement, là, ça serait lui ici. Ça serait un test de laser. OK? Fait que là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que tu regardes le chiffre où ce que ton gauge de laser y est. Fait que présentement, mon chiffre, ma flèche ici, indique le numéro 2. Fait que mon laser est rendu au niveau 2. Fait que je brasserais le dé. Il faudrait que j'aille... C'est la même chose que le test de pilotage. Mon résultat, il faut qu'il soit plus bas que le chiffre dans lequel mon pointeur pointe. Fait que la seule manière de gagner ce test de laser-là, ça serait pour avoir un 1. Si j'aurais un 2 ou plus haut, j'échouerais automatiquement mon tour. OK? Ben, j'échouerais le test, excusez. Fait que là, je vais brasser, mettons. Tiens, j'ai eu un 1, je l'aurais passé, OK? Mais admettons que j'aurais eu, admettons, un 3, OK? Fait que là, je l'aurais échoué. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire, là? C'est que soit que je décide d'arrêter mon tour, là, OK? Ou que je diminue de 1 mon laser pour continuer mon tour, OK? Fait que là, on va dire que je veux continuer mon tour, je veux absolument aller à une telle place, là. Fait que là, qu'est-ce que je ferais, c'est que je prendrais mon... la flèche de mon laser, je le baisserais d'une coche, de 1. Tiens, là, il était à 2, là, il est rendu à 1. Là, je pourrais continuer mon tour. Là, le prochain test, c'est un test de bouclier ici. Fait que là, c'est la même chose. Je check mon bouclier, puis c'est un 1. Okay? Fait que là, j'ai pas de chance, là. J'ai aucune chance de gagner ce test-là. Là. Fait que c'est sûr que je le failerais. OK? Gagne un 6, je le fail. Mais là, si je voudrais continuer mon tour, là, c'est encore la même chose. Soit que je décide d'arrêter mon tour là, puis de pas subir de pénalité, ou que je descends mon bouclier de 1 pour continuer mon tour. Fait que là, je pourrais le descendre de 1 à 0 ici. Puis après ça, je pourrais continuer mon tour. Okay? Sauf que là, comme je vous ai montré tantôt, là, il y a des races qui vendent là, des augmentations de laser ou de bouclier. Fait que là, il faudrait que j'aille me recharger là, en laser puis en bouclier, m'augmenter là, mon level de mes deux gauges ici pour pouvoir surmonter les prochains tests là, dans mon chemin. OK? Puis il y a des technologies raciales aussi qui améliorent ton sort là, quand tu brosses le dé, etc. Là. Vous allez le voir tantôt quand je vais vous expliquer chaque technologie raciale. Mais en gros, là, c'est ça à ça que ça ressemble, là, les tests. Ben, c'est pas mal, pas en gros, mais c'est ça. Hein. Fait que là, maintenant, je serai rendu au pirate. Fait que je me prépare puis je vous reviens avec ça. Bon, maintenant pour des pirates, tout le monde. On va vous expliquer ça. Fait que là, on va vous montrer un exemple. Là. Là, maintenant, là, le joueur blanc commence ici, là, au port spatial du Nebula Habitat. Puis là, il s'en va, puis il passe son mouvement, puis il commence là. Fait que là, vu qu'il passe sur un point d'événement, il faudrait qu'il pige une carte événement. Puis là, on va dire qu'il pige une carte pirate. Okay? Là, je vais vous montrer là, trois sortes de cartes pirates, à quoi que ça peut ressembler. Là. C'est marqué Pirates. Fait que faudrait que tu places Midplace à plus 0 Pirate Token on this space. Fait que là, tu prendrais ce token-là, tu le mettrais en tour de ton vaisseau, okay, sur le point événement qui est là. Puis c'est marqué Resolve the Pirate Token as if you just entered its space. Fait que il faut que tu deals avec les pirates. Okay? Là, les cartes, là, ils ressemblent pas mal tout à ça. C'est juste le token qui change. Okay? Tu as des moins 2 là. Ici, tu as un plus 6. Quand je vais vous montrer là. D'autres tokens. Pirates, là, à quoi que ça ressemble. Donnez-moi 30 secondes. Je vous montre ça. Tiens. Vous voyez, là. Puis, chaque token de pirate là, a une couleur, OK? Puis, cette couleur-là est pareille. Elle est de la même couleur que,
qu'un niveau de marchandise, okay, que de qualité de marchandise. Si vous vous en souvenez, là, il y a trois sortes de qualité de marchandise. Il y a le bronze qui est qualité de la basse qualité. Il y a l'argent qui est de qualité de la première qualité. Puis le or qui est de qualité du luxe. Okay? Fait que c'est la même affaire. Vous voyez là, les deux du centre, là, c'est or. Ça, c'est couleur argent, puis lui, c'est couleur bronze, OK? Vous allez voir, ça a une importance, ça, quand que tu perds une bataille contre les pirates, OK? Puis le chiffre aussi, ici, le plus 6, plus 0, moins 2, plus 4, ça a un... Vous allez voir quand je vais vous l'expliquer direct là quoi, à quoi ça sert. Fait que là, dans notre exemple, là, on va dire que... On va dire qu'on a pigé... On va dire qu'on a pigé celui-là, le moins 2, OK? Que je prendrais le jeton pirate moins 2, puis j'irai le placer en tour ici, ok, en tour de mon vaisseau. Là maintenant, il faut que je deal avec les pirates. Fait que là, j'ai une décision à prendre. Il faut que je choisisse quel test que je veux passer, ok. C'est comme tantôt, là, comme je viens juste d'expliquer avant les tests, là, faut que ce soit vous qui choisissez lequel que vous allez passer, soit un test de pilotage, un test de laser ou un test de bouclier. Fait que c'est vous qui va décider ça, puis là, dépendamment de lequel que vous allez choisir, ok, si vous réussissez le test, votre récompense, okay, elle va dépendre du test que vous avez passé. C'est que si vous avez choisi un test de pilotage, bien, si vous le réussissez, votre récompense, ça va être différente que si vous choisissez un test de pilotage là, de laser ou de bouclier, ok. Mais si vous perdez, par exemple, là, c'est toute la même affaire. Fait que là, on va continuer mon exemple. Là. Fait que là, notre jeton de pirate, là, c'est un moins 2. Okay? Puis là, on va choisir, mettons, un test de pilotage. Okay? Fait que là, si je reprends mon exemple de tantôt, là, vous en souvenez, là, mon pilote, là, c'est un level 2. Puis il y a de l'avion, pas son skill, en anglais c'est skill, là, mais sa dextérité de pilotage qui est juste à côté, c'est 5. Okay? Fait que là, si vous en souvenez, là, il faut que je brasse mon dé violet, puis il faut que j'aille en bas de 5. Okay? Si mon dé violet, là, le résultat c'est un 5 ou un 6, je perds automatiquement le test. Okay? Puis ce résultat-là va être modifié par le chiffre qui est sur le jeton de pirate. Fait que là, sur mon jeton de pirate, comme je vous ai montré, c'est un moins 2. OK? Fait que le dé violet, quand je vais le brasser, OK, le résultat de mon dé violet, il faut que je le modifie par ça, par moins 2. Puis ce résultat-là, il faut qu'il soit... en bas de 5 à cause que ma dextérité de pilotage, comme je vous ai dit ici, là. Je sais pas si vous le voyez, là. Il faudrait que je dézoome un peu, là. 30 secondes, tiens. Ça ici, là. OK, vous en souvenez, là. La dextérité de pilotage, c'est 5. Fait que là, pour l'exemple, pour l'instant, là, on sait que c'est un moins 2, là, le pirate. Fait qu'on va le mettre là. Là, je vais brasser mon dé, OK? Là, vous le voyez pas, là, on va le brasser ici, là. OK, là, si j'ai un 1, OK? Fait que 1 moins 2, OK, ça ferait moins 1. Si je me trompe pas, là. Ouais, c'est ça. Moins 1. Mais là, tu peux pas aller dans le négatif, là, ça serait 0. OK? Fait que là, moi, je suis en bas de ma dextérité de pilotage. Fait que ça veut dire que j'aurais réussi que j'aurais réussi le test. OK? Mais là, je suis chanceux, là, c'est un moins 2. OK? Si, admettons, là, le pirate, là, ça aurait été un plus 6, là, comme lui, là. Là, j'aurais roulé un 1. Fait que là, 1 plus 6, ça me donnerait 7. Puis là, 7, c'est plus haut que ma dextérité de pilotage de 5. Fait que j'aurais échoué automatiquement mon test. OK? Fait que là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand vous échouez là, le test, là, quand vous confrontez des pirates. C'est la même chose pour n'importe quel test que vous choisissez, que ce soit pilotage, laser ou bouclier. Là. Quand vous échouez, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que si vous avez de la marchandise à bord, là, qui est de la même couleur que les pirates, justement, comme je viens de vous expliquer, vous perdez toute cette marchandise-là, puis vous le remettez là sur le côté, comme je vous ai expliqué tantôt, là, sur le côté gauche ici, là,
vous remettez toute la marchandise que vous avez perdue là, sur la race correspondante. Okay? Là, si mettons, là, j'ai perdu ça, là, cette marchandise-là. Il faudrait que je la remette sur le chiffre 11 ici, sur toute la marchandise qui correspond à la couleur du pirate. Okay? Puis je la mette là, sur le chiffre, là, mettons comme pour mon exemple 11. Donc, là, j'aurais remis là, mon. Ici, sur la 11 ici. Fait que c'est ça qui arrive, ok? Après ça, si tu n'as pas de marchandise qui correspond à la couleur du pirate, il faut que tu payes 20 crédits à la banque. Si tu n'as pas 20 crédits, mettons, tu as juste 10 crédits, mais tu le perds, ok? Ton tour est fini là, ok? Puis tu vas placer un jeton d'infamie. Okay, comme je vous l'ai montré au début, là, un point d'infamie, c'est un du côté rouge, là, en dessous du jeton de pirate. Okay. C'est ça qui arrive quand tu perds. Après ça, tu mets le 1 là d'infamie là, tu mets le jeton de pirate par-dessus, tu mets ton vaisseau par-dessus là, puis ton tour est fini là. Okay. Fait que là, au début de ton prochain tour, tu vas pouvoir refaire bosser tes dés pour ton mouvement puis t'en aller de là. Là maintenant, fait que là, s'il y a quelqu'un d'autre, admettons là. Plus tard, là, le joueur rouge arrive, là, puis il passerait par-dessus les pirates. Faudrait qu'il arrête là, sur les pirates, puis qu'il passe un test, comme je viens de vous expliquer. Puis s'il perd, ben, il arrive la même chose que là. Puis s'il gagne, ben là, justement, je vais vous l'expliquer, là. Comme je vous ai dit, là, quand vous gagnez, ben, votre récompense, ça dépend du test que vous avez choisi. Fait que si vous avez décidé si vous avez décidé de passer un test de pilotage puis vous gagnez, okay, qu'est-ce qui se passe? C'est que le level de votre pilote, okay, mettons pour cet exemple-là, c'est 2. Okay, vous allez l'ajouter, vous allez l'additionner à votre total de votre mouvement. Fait que dépendamment du dé que vous avez. Comme là, j'ai 6 avec 2, 6, c'est-à-dire 12, 13, 14, 15. Fait que là, mon total, c'est 15. Puis là, j'aurais passé. Là, avec mon 15 ici, là, je m'en viendrais là. Là, je passerais un test de pilotage, puis je gagnerais. Mais là, le level de mon pilote, c'est 2. Fait que je fais 15 plus 2. Fait que ça serait 17. Fait que là, mon nouveau total de mon mouvement, c'est 17. Fait que là, je pourrais continuer. Là, j'ai gagné mon pilotage. J'ajoute mon 2 au 15, ça fait 17. Puis je continue mon mouvement, puis je laisse les pilotes là en arrière. Okay? Fait qu'il y en a un autre par après qui peut rentrer là, puis se faire attaquer par les pirates. Okay? Mais si vous passez votre pilotage, c'est ça qui arrive. C'est pas grand chose, là, mais au moins vous perdez rien et vous ne devez pas d'argent à la banque, à rien. Fait que là maintenant, si c'est un test de bouclier que vous avez décidé de passer et que vous réussissez, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous gagnez 2 points de réputation. Vous pouvez continuer votre tour comme si de rien n'était, mais vous laissez les pirates là en arrière pour que quelqu'un d'autre par après se fasse attaquer s'il passe par là. Et maintenant, pour le dernier, si vous avez décidé de passer un test de laser et que vous réussissez ça contre les pirates, ben là, c'est là que les récompenses est plus grande, là, parce que c'est comme si vous avez tué les pirates avec vos lasers. C'est que là, maintenant, vous allez regarder au nombre de points d'infamie qui entourent du jeton de pirate. Okay? Pour l'exemple, là, il n'y en avait rien qu'un. Fait que là, vous allez gagner 20 crédits par point d'infamie qui entourent du jeton de pirate. Fait que là, pour le mode d'exemple, il n'y en avait rien qu'un, fait que je gagnerais juste 20 crédits. Mais tu sais, il peut y avoir plusieurs personnes qui passent là, puis qui échouent, puis à toutes les fois, ils vont mettre un point d'infamie en tour, fait qu'il peut s'en ramasser plusieurs, là, jusqu'à temps que quelqu'un les passe un test de laser, puis qu'il les tue, OK? Fait que la première étape de ça, quand tu gagnes avec un test laser, c'est que tu regardes le nombre de points d'infamie qui entourent, puis tu gagnes 20 crédits par point d'infamie. Tu mets ça dans ton argent. Après ça, ces points d'infamie-là, justement, vous allez les retourner. Vous allez les retourner du côté gauche, du côté plus gauche, du côté bleu. Puis vous allez le mettre à côté de vous. Fait que dans le fond, chaque point d'infamie va se transformer en un point de réputation que vous gagnez. Okay? Après ça, on prend le jeton pirate qu'on vient d'abattre, puis on le tourne de l'autre côté. Puis l'autre côté, c'est un jeton de météorite. Fait que dans le fond, les pirates se transforment en jeton de météorite. Après ça, tu piges une carte récompense. OK. Rappelez, là, c'est ceux-là qui ressemblent à un trophée. Là. Vous allez piger le premier sur le top, sur le dessus.
Vous allez gagner cette carte-là. Et votre tour se finit. Et votre tour se finit là, sur la météorite. Fait que c'est à ça que ça ressemble quand on gagne un test de laser contre des pirates. Fait que c'était ça pour les pirates, tout le monde. Maintenant, il reste une petite dernière détail là, avant qu'on finisse cette section de mode standard là. C'est que vous en rappelez là, dans le test. Dans le mode classique, on pouvait décharger de la marchandise ou de la technologie ou des passagers, mais dans le mode standard aussi, on peut. Il y a trois manières de décharger, OK? C'est que il y a trois manières pour faire de la place. Parce que quand on décharge, là, c'est parce qu'on veut faire de la place. Hein? Fait qu'il y a trois manières de faire de la place, OK? Il y a réorganisé, il y a débarqué, puis il y a largué. OK? Réorganiser, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que n'importe quand, que ça se fait n'importe quand, même quand on a le tour d'une autre personne, là, c'est que vous en rappelez là, sur le. Si je descends ici, là, vous en souvenez, là, ici vous avez votre cargo, là, vous pouvez réorganiser votre cargo comme ça vous plaît. Okay? Ça se fait à n'importe quel moment pendant la partie. Quand on débarque, c'est faut qu'on soit. Faut qu'on soit atterri sur une planète. Comme ici, j'enlève là, le tableau de bord. Là. OK. Là, on va prendre le vaisseau là. T'sais, là, je suis atterri sur une planète. Je peux débarquer du stock sur une planète là. Ou je peux débarquer du stock dans un port spatial. OK. Puis ça. Puis les choses que je débarque là, OK, ils restent dans cette galaxie-là. Dans la base galactique, OK, je peux pas débarquer de la marchandise ou de la technologie là, mais je peux débarquer des passagers que je veux plus garder. Fait que les passagers vont rester là jusqu'à temps que quelqu'un d'autre les réembarque. Puis quand on largue, ça veut dire que c'est quand on se promène. OK, là, je vais prendre un autre exemple là. Là, mettons, là, je suis là, mettons, là, à base galactique, là, je m'en vais, là, je suis rendu au point bleu ici, là. Puis là, je décide de larguer du stock, OK? Fait que là, mettons, si je largue de la marchandise ou de la technologie, OK, la technologie, elle retourne dans la boîte, puis la marchandise, elle va retourner sur le... Comme vous en doutez, là, vous allez retourner la marchandise, là, sur le côté ici à gauche, là, sur le chiffre là, respectif là, de la marchandise que vous larguez. Fait que si vous larguez, mettons, là, l'Impossible Furniture, là, vous n'avez pas d'argent, risque comme si vous dompez cette chaise-là dans le vide. Là. Fait que elle retournerait sur le chiffre 11 ici, sur le côté de la map en 11. Là, c'est comme tantôt là, avec les marchés, là, avec les engrenages, là, ils vont pouvoir retourner dans leur marché respectif pour redevenir disponible. Ça, c'est ça quand que tu largues la marchandise. Et tu peux larguer des passagers dans le vide, OK? Oui, ça se fait, OK? Dans la vraie vie, même, ça serait chien, là. Mais, justement, il y a une pénalité pour faire ça, OK? Si tu décides de larguer des êtres vivants, même, dans l'espace, OK? Tu vas prendre 2 dés. Tu vas prendre 2 dés, tu vas les brasser. Puis le total de ça, ben, c'est ça que tu vas recevoir en points d'infamie, OK? Puis à la fin de la partie, les points d'infamie, ça l'enlève des points de réputation. Puis ça l'enlève de l'argent aussi quand tu vas calculer ton avoir, ta richesse à la fin pour savoir qui est le plus riche. Okay? Fait que c'est un petit conseil, là, c'est de ne pas domper des passagers dans le vide. Là. Mais si vous êtes pas mal obligé de le faire, là, c'est votre choix. Là. Mais je le conseille pas. Fait que c'est ça tout le monde pour le mode standard. Maintenant, avant de vous montrer le mode solo, il y a quelques petits détails encore. Ben, je veux dire, avant de vous expliquer justement les technologies raciales, les spells de pilote, puis les quelques cartes événements, là, même les quelques cartes récompenses aussi, là, je vais... des quelques cartes aussi de mission que je vais vous expliquer. Là. Mais avant, je vais vous expliquer là, le mode Epic man, pour le mode standard. C'est que
le je vous ai dit là, dans la ce côté droite là, il y a les manches, OK, ça va jusqu'à 30. Sauf que vous pouvez décider d'aller plus loin que 30, OK? Puis ça, quand vous décidez d'aller plus loin que 30, là, quand que vous êtes au 30, puis qu'au début du tour du premier joueur, après, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez tourner le marqueur de manche de l'autre côté. Là, vous voyez, là, c'est marqué 30, là. Fait que dans le fond, vous allez le remonter au chiffre numéro 1. Mais là, vous allez mettre le marqueur du côté 30. Fait que ça veut dire que vous êtes rendu au numéro 31 cette fois-ci. Et là, vous pouvez continuer et faire ça. Là, vous décidez là, que ça soit un 40, 50 ou 60 manches, OK? Si vous décidez de faire plus que 30 manches, là, quand vous entrez dans la manche 31, là, vous allez remettre tout le matériel qui est sur le côté gauche là, de la map, là, comme tantôt là, je vous disais, là, ceux-là qu'on accumule ici. Là, mais à la manche 31, tous ceux qui sont disponibles ici, vous allez les remettre dans le galaxie approprié pour qu'ils soient, disponibles encore à nouveau. Ça, c'est ici, vous décidez de jouer une manche 40, ça, OK? Si vous décidez de faire, dans le fond, de faire plus que 30 manches, puis vous décidez que c'est 40 manches qu'on fait à la place, ben vous allez faire ce que je viens de vous dire. Si vous décidez de faire 50 manches, OK, vous allez mettre, là, on a deux tokens, là, ça ressemble à ça. Vous allez voir, là, ça ressemble, là. On appelle ça des marqueurs de production, OK? Ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si vous décidez de jouer 50 manches, on va mettre le premier token de production sur le chiffre numéro 10, OK? Puis quand que notre token, là, dans le fond, là, notre marqueur de manche, il sera au chiffre 10, ça veut dire à la manche 40, OK? On replace tous les passagers qu'on est allé porter dans le sac, puis on recommence à les ressortir. Puis on replace encore tout le matériel qui est sur le côté de la map à gauche, là, dans le marché respectif. OK? Puis si vous décidez de jouer 60 manches, là, vous allez placer, je ne sais pas si vous le voyez, là, si je panne ici, là, ouais, vous allez mettre le deuxième marqueur de production dans le chiffre, sur le chiffre 20, OK? Fait que quand ton marqueur de manche va être rendu au chiffre 20, ça veut dire 50 au 50e manche, à la 50e manche, vous allez refaire la même chose que je viens de vous expliquer, OK? Puis dans le fond, là, la game a fini, si c'est 60, là, ta game a fini quand ton marqueur de manche se rend au chiffre 30, c'est-à-dire au la 60e manche. Moi, j'ai jamais fait ça une game épique, là. Mais si vous décidez de le faire, même, c'est à ça que ça ressemble. Si, là, dans une game épique, si vous s'il n'y a plus de carte événement, là, de disponible, donnez-moi 30 secondes là. OK. Soit que c'est des manches là, de vous décidez des manches 40, 50 ou 60 manches à jouer là. Si vous n'avez plus de carte événement là, vous allez prendre tous ceux-là qui ont été joués, OK, toute la pile, OK. Puis ceux-là qui ne sont pas marqués 30 là, en bas de la carte là, vous allez les enlever, OK. Fait qu'il y en a là. Elle, là, il n'y a pas de 30 ici, fait que vous ne la reprendrez pas, vous allez le mettre dans la boîte. Fait que vous allez faire ça au complet du deck. Puis ceux-là qui ont des chiffres 30, là, ceux-là qui. Vous allez les arbrasser. OK? Puis vous allez les remettre. Vous allez les remettre disponibles, puis vous allez continuer à jouer votre partie.
Fait que c'était ça pour les pour le mode épique. Fait que maintenant là, il me reste à vous expliquer là, les technologies raciales, pilotes, etc. Là. Fait que je vais me préparer pour ça puis je vous reviens.